Fermez cette fichue porte avant que quelqu'un ne la voie. Pas si vite. Oui, madame? Madame? Je vous ai vu me regarder. Comment ça? Dans le rétroviseur. Vous avez quelque chose à me dire? Non, madame. Je pense que si. Non, madame, je vous assure. Est-ce que vous avez des enfants, agent Yuma? Non, madame. Eh bien, le jour où vous en aurez, et que vous les élèverez, et qu'ils vous détesteront malgré tout le mal que vous vous donnez, là, vous pourrez me regarder et me juger de la sorte. Madame, je ne porte aucun jugement. Je sais quand les gens me jugent. Et je vois très bien votre regard sur moi. Ne dites rien. Vous avez besoin de parler? Non, monsieur. Je pense que si. Non, monsieur, ça va. Je vous écoute. Monsieur, elle a menacé sa fille de mort. Agent Yuma, vous avez été au combat. Et je n'ai jamais rien vu de tel de ma vie. Je comprends, mais faites votre travail. Est-ce que ça va vous affecter? Non. Vous êtes sûr? Oui, monsieur, je suis sûr. Très bien. Allez prendre l'air, pour vous calmer. Merci, monsieur. On se voit tout à l'heure. Doucement. Il fait presque jour. J'ai envie de rentrer. Allez, encore une fois. Tu dois être vraiment mal. En effet. Continue de me punir, c'est si bon. Aide-moi. Ouais. C'est terminé pour ce soir. Allez. Tu vas me laisser partir? Dès que tu auras acheté les actions. Il faut bien que je sorte d'ici pour les acheter. T'as pas envie de me remercier en avance? Je t'ai déjà remercié autant de fois que je pouvais. Là, je veux rentrer. Ouais, je suis prêt à aller me coucher. Bien. À la prochaine. Tu pourras m'appeler avant pour demander si je suis occupée. Aucune chance. Tu l'as trouvé? Va te coucher. Où est-ce qu'il est? Je vais te montrer. Non, dis-le-moi. Dans le bureau de Donald. Pouh, cette fille. Assurez-vous qu'elle rentre bien chez elle. Oui, monsieur. Oh, merde. Qu'est-ce que tu fais là? Va te coucher. Je t'ai demandé ce que tu faisais là. Est-ce que notre fille est ici?
Monsieur. Elle est là-dedans. Victoria. Est-ce qu'elle est là-dedans? Va te coucher. Poussez-vous! Madame! Ne me touchez pas! Je ne peux pas vous laisser entrer, madame. Tu ne vas pas rentrer là-dedans. Alors va te coucher. Max, emmenez madame là-haut. Il n'est pas question qu'il me touche. Soit c'est lui qui le fait, soit c'est moi qui m'en charge. Max? Monsieur. Conduisez la première dame à l'étage, et je me fiche que vous deviez l'y emmener de force. Monsieur? Vous allez vraiment le faire. Max, qu'est-ce que vous attendez? Poussez-vous. Je vais compter jusqu'à trois. Un. Deux. Trois. Merci beaucoup, Max. Monsieur, on ne rentrera pas là-dedans. Madame. Monsieur. Oui. Qu'est-ce qu'il fabrique? Espèce de... Tu l'auras cherché. Arrêtez! Arrêtez, enfin! Madame, ça va? Ça va! Ne me touchez plus jamais. Vous savez qui je suis? Le président des États-Unis, le monsieur. Président des États-Unis, exactement. Qui commande ici? C'est moi, imbécile! Occupez-vous d'elle. Je vais te tuer, Hunter! Tu as complètement perdu la tête! Madame! Faut y aller, maintenant. Vite! Madame! Ne va pas madame. Là-bas! Va faire moi! Arrête! Mais t'arracher, arrête. Monsieur! Qu'est-ce que je t'avais dit? Madame! Max, retenez-la! 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 Vous allez sortir d'ici! Vous faites-la sortir d'ici, vite! Ne la laissez pas sortir! Non! Max! Elle est partie! Lâchez-moi! Madame, calme-toi! Calmez-vous. Elle est partie! Max! Lâchez-moi! Pas tant que vous serez pas calmée, madame. Je suis calme. C'était quoi, cette crise? Tu me détestes. Je te déteste. À quoi ça sert, toutes ces crises à la con?